Bonjour Elisa et félicitations à toi. Donc on te voit évoluer beaucoup en défense centrale cette saison. Tu as dû faire de nombreux choix et sacrifices aussi, choix tactiques, parce que la défense centrale du Paris Saint-Germain a beaucoup changé depuis début de saison avec les blessures. Comment tu t'es adapté justement à ce nouveau rôle de pilier puisque tu as remplacé Dudek? Honnêtement, ça a été entre guillemets facile parce que j'avais la confiance du coach et des joueuses, donc j'étais prête à assumer ce rôle. Après, je suis très contente de la saison qu'on fait avec l'équipe et j'espère qu'on va ramener un trophée. Donc tu es dans l'équipe type justement du 11 type pour la meilleure équipe de la DA Arkema. On a pu voir des magnifiques arrêts que tu as pu effectuer pour soutenir tes gardiennes Sarah et Constance, surtout justement face au Paris FC, tu avais fait une très très belle performance. Comment tu te sens face aux Lyonnaises la semaine prochaine? Je me sens bien, on va essayer de tout donner, tout ensemble, pour aller chercher cette première place et on verra où ça nous mènera. Ouais, forcément. Une semaine après, on a l'occasion de prendre la revanche, comme vous l'avez dit. Donc, c'est à nous de travailler dur cette semaine pour prendre cette revanche. Ça va être différent cette fois, ça sera sans les supporters. Malheureusement, est-ce quelque chose qui vous fait un peu mal, on va dire? Ouais, en plus, je suis parisienne de base, c'est mon club de cœur. Donc, forcément, les ultras, c'est des gens que je porte dans mon cœur et qu'ils ne soient pas là pour le match, ça nous fait quelque chose parce que je pense que c'est le 12e homme, ça nous aide, mais il y aura d'autres personnes, donc on va tout donner pour eux. On se rappelle l'année dernière, justement en finale de Coupe de France, où le Cup était présent à Dijon. C'était une belle atmosphère et on espère que les ultras vont revenir prochainement. Oui, on espère bientôt leur retour. Ils nous ont mis dans des ambiances de folie au parc, que ce soit au parc ou même quand ils se déplacent à l'extérieur. Donc on les espère bientôt de retour et on les attend de tout cœur.